Yo les fous, ici Zach de retour pour la suite de l'épisode précédent. Bon, on va un peu rusher parce que là, ça me donne tellement les jetons ce jeu-là que je suis tanné. Bon, là, le but c'est quoi? Rejoindre le hall principal. Non, ça on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Me soigner en attendant que ça fasse ça. Non. Le pour de canon, c'est quoi ça? Une pièce antique. Ah! Colin! Mon père t'a donné des fils à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Tabarnak, Zoé. S'il te plaît, elle est trop suspecte, fais-moi sortir de là. C'est quoi ça? Ouais, faut trouver des têtes, hein. Ok, c'est genre une porte de sortie. Dans le fond, on peut s'enfuir en accumulant des... De quoi, là? Est-ce que je peux l'ouvrir avec un crochet, ça? Impossible de crocheter cette serrure. Quoi, ce bruit, là? Là-bas, faudra un truc de pigeon. J'ai rien de tout ça, moi. Putain de merde. J'ai rien. C'est quoi ça? Oh oui, y'a un shotgun, shotgun. Donnez-moi ça, donnez-moi ça. What the fuck? Mais j'ai rien gros de même. On va remettre le shotgun, j'ai rien de gros qui puisse faire ça. Et tabarnak. Aucune serrure que je pourrais. Ils ont vraiment des serrures bizarres ces portes-là. Mais d'abord, je me demande pourquoi une grand-mère là-bas. Qui traîne, qui bouge pas. Ça, c'est très suspect, souvent quand j'essaie de rentrer dans la porte là-bas, elle va essayer de me faire peur, cette salope. Non, on va essayer de voir comment qu'elle fait. Pourquoi je peux pas t'attaquer? Une personne gentille. What the fuck? Où suis-je? Ah! Vous avez entendu? Je vous jure que j'ai entendu un bruit. Quoi? Vous entendez? J'ai entendu des voix, vous l'avez entendu. Virgil le connard. Bla 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 bla. Non, 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 attends, on va pas passer par là, j'ai entendu une voix premièrement. C'est quoi ça? Et c'est parti pour quelque chose qui va nous déplaire. Une vidéo cassette. Putain de merde. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était déplaisant. Vous, vous trouvez ça drôle parce que moi, je me chie dans les boxers. Colin. Putain de merde. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais
Je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Et voilà, cours, cours, cours. Oh shit, c'est moi qui la joue. M'attraper à nouveau. What? Ok, run. What the fuck, c'est quoi tout ça, des poupées? Run. Il y a une partie ici. What? Par ici, maman. What the fuck? What? Où suis-je? Ah! Cours! Pourquoi les chandelles s'éteignent? Dégage! Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Run. On est où? C'est quoi ça? Cette maison a vu plus que tu ne peux imaginer. Dégage. Non, ne viens pas par ici. Non, dégage. Non. Ah non. Putain. Oh non, j'aurais dû m'en faire, je pense. J'aurais dû m'en faire. Non, dégage. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Oh my god, elle est cinglée. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Et toi, que fais-tu? Ça va être long. Désolé.
Ça va être long, parce que je suis nul pour ça, les amis. Mais ça va être un épisode de comment utiliser ça. De merde. Ok, on met ça comme ça. Oh, oh, on l'a presque. Oh, on l'a eu. Oh. Putain, j'aime pas ça, il fait trop noir. Putain, qu'est-ce qu'on fait là? Oh putain, j'aime pas ça. Putain, c'est pas ici qu'il y avait la petite fille. Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi! Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don! Oh putain. Mon Dieu, elle est à côté. Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Ah non! Accepte-nous! Ah! Elle était proche! C'est pas possible! Tu ne comprends rien! Ah, elle m'a trouvé! Non! Reste ici, petite sotte! Ah! Tu as été vilaine! Putain de salope! Ah, l'enculé! Non, on peut pas finir ça comme ça, là, pour aujourd'hui. Attendez. Oh, putain! Ok. Comment on peut éviter ce scénario? En fait, je peux me cacher là, mais dès qu'il arrive là-bas, je pense que je dois run là-bas. Ok, on va faire ça. Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille. Ok, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Toi! Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don! Hein? Dégage! Si vous avez une grand-mère qui ressemble à ça, courez. Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Accepte-nous! Run! Non! N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité! C'est sans issue, jeune fille! Pourquoi elle dit ça? Ah! Colisse. On dirait une pièce de mécanique. Elle m'a fait le saut à créer de même cette pute là. Bon, il fait trop noir, il y aura un jump scare. Putain, je suis pas bloqué pour de vrai. J'ai quoi dans l'inventaire? J'ai rien, putain. Ah. What? Pourquoi il fait noir? Oh! Fuck! Où crois-tu aller comme ça? Run! Bon, je me suis chié dans les culottes. J'ai fait cette partie qui est
très désagréable. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia ? Putain ! Bon, bah les amis, regardez, il y a eu une auto-sauvegarde ici, alors on va s'en arrêter là. Merci pour les nouveaux arrivants dans la chaîne, j'apprécie énormément les nouveaux abonnés, les likes que vous faites. Passez une excellente journée ou soirée, dépendant de où vous vivez au Canada ou en France. Merci encore, je vous adore. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les fous.